Salut gens d'internet, j'espère que vous allez bien. Je vous accompagne de Eyes et Oz pour un petit buzz tour de la base de la T-Rock. Comment ça va mon boy? Yo yo yo. So, il va peut-être couper son micro des fois, parce que son micro des fois il fait des bruits bizarres. En tout cas, je viens de vider la boîte à dons, puis merci beaucoup à la personne qui nous a donné un P2 Aqua Affinity 1, P2 U3, et P2 U3 et P2 Father Fallen 4 Unbreaking 4. C'était pas mon set à moi, donc je sais pas d'où ce qui vient. Mais un gros merci à l'abonné fidèle qui nous l'a donné, ça fait extrêmement plaisir. Ensuite, il nous a donné aussi Canasuc, Blaze Road, mais ça je pense que les Blaze Road étaient déjà à toi. Ouais, ça c'était à toi. Tiens, puis un full bard, oui, tout ce qu'il a lu aussi sur lui. Donc ça fait plaisir. Aussi du bois, donc le full bard, il y a les pantalons P2, U3, donc un gros merci les gars. Je sais que je vous le dis pas souvent, les merci, mais ça fait extrêmement plaisir, toutes les dons que vous faites, que ce soit du bois, de la canne à sucre ou peu importe. Il y a juste les cannes à pêche qui servent un peu à rien, là. Comme vous voyez, canne à pêche, ça sert un peu à rien. Ça sert un peu à rien. On a quand même 3 potions de speed qu'on nous a donné, de la bouffe, pas mal de bouffe. Ça fait plaisir. Donc ouais, canne à sucre, sucre. Bon, le sucre, je peux te le donner tout de suite, tu pourras l'utiliser. Puis je te donne ton pantalon. Donne genre les jambiers. Ouais, je te les ai donné. So, ouais, aujourd'hui, j'ai dit direct un petit base tour parce que ben, la base a quand même vachement avancé depuis. Je devrais peut-être aussi réparer mon casque parce que j'ai 1 de durabilité dessus, 7 de durabilité dessus. Donc, je vais l'enlever au cas où que je perds des dégâts de shit ou quoi. Donc, la base, ça commence où, les amis? C'est très simple. De Typhon Mitzi, on a la boîte à dons. Ouais, je vais montrer à l'extérieur après, mais je vais juste montrer où ce que les fonds mis, tu sais. Donc ensuite, qu'on peut voir dehors, ça c'est quand même assez pratique. Ensuite, on a un petit fall trap ici. Fait que je vais vite fait vous montrer, c'est juste pour back safe. Genre, c'est pas très safe, mais c'est surtout parce qu'en fait, je vais vous montrer, ici, c'est une place magique. Donc voilà, je vais vous laisser découvrir par vous-même si vous venez dans la base. Vous pouvez venir dans ces trappes-là, hein. Vous pouvez sauter, vous mourrez pas, il y a de l'eau en bas, je vais sauter après pour vous montrer. Je vais aller montrer l'extérieur. En fait, il y a Isaiah qui a fait une trappe, je pense, c'est ça? T'as fait une safe room, excusez-moi. Ici, bon, il y a une sand trap normale, quoi. Bon, vous allez sûrement... En espérant que vous écoutez quand même pas la vidéo, ceux qui vont se faire trappe là-dedans, parce que la vidéo va quand même sortir dans longtemps, donc j'espère quand même que je vais pouvoir réussir à attraper des gens avant de sand trap quelqu'un. J'ai déjà sand trap quelqu'un, vous avez dû le voir dans la dernière vidéo, donc de toute façon, c'était déjà fini. Ici, je vais pas vous dire qu'est-ce qu'on va faire, sûrement, je sais pas encore, en fait. On va sûrement faire quelque chose. Ici, il y a la boîte à dons pour moi et Dinor, donc bon, très simple, vous mettez ça là. Et la safe room, c'est celle-là ici. Attends, je vais y aller en premier, Marpa. Donc quand vous arrivez ici, vous pesez sur le levier et regardez, ça fait un drop en bas. Qu'est-ce qui arrive quand on tombe en bas, c'est que c'est une safe room, je vais vous la montrer rendue en bas. Vous allez voir, c'est assez simple. Ici, il faudra juste mettre du sable, je vais prépare. En gros, ouais, c'est des... ouais, c'est des safe rooms normales, quoi, classique. Oh, pasti tabarnak, ok. La prépare qui a servi à rien, on voit rien... On n'a rien vu, les amis, bien entendu. je vais juste repère au-dessus dès que je peux. Puis on va continuer le boss tour les amis. Donc ouais, beaucoup de gens qui m'ont demandé de faire un boss tour, faire un boss tour. J'ai fait ouais ok peut-être. Je trouve pas que ma base est super belle niveau décoration, mais elle est surtout pratique. La décoration, c'est une base temporaire dans le fond pour la décoration. La vraie décoration va arriver bientôt quand on aura plus de matériel. Donc, je vous ai parlé de l'autre trappe. Paye sur ton sucre pour que. Juste. Ouais voilà. Donc ici on a une trappe de water. Donc si vous connaissez pas ce genre de trappe, ben je peux pas vraiment vous expliquer. Je m'y connais pas vraiment. C'était un jeu qui l'a fait. Donc Taser qui est dans la faction dans le DTR vient juste d'être unfreeze, on s'est fait tuer par des cheaters, enfin bon bref, une grosse longue histoire, je vais sûrement faire une vidéo pour vous expliquer tout ce qui est arrivé. Parce que bon, on a quand même perdu vraiment énormément de stuff les amis pendant le goal que le grand cheater est venu. Donc ensuite ici on a une autre trappe magique que je vais vous laisser découvrir par vous-même. C'est pas des trappes qui vous tuent bien entendu les amis, hein. On est gentil, c'est surtout pour prendre des screens. Si un abonné veut prendre un screen et qu'il veut pas se faire tuer par toutes les full diam qui est ici, il saute dans la trappe. C'est juste que tu peux pas sortir, donc voilà, c'est juste ça. Donc je vais aller dans l'autre trappe là-bas, je vais vous montrer ce que ça l'amène. Et puis voilà, donc je vais sauter dans celle-là pour descendre plus rapidement. Oh non, non c'est pas vrai, on va montrer étage par étage puisqu'on a quand même pas mal d'étages, c'est vrai, j'avais oublié. Je vais pas vous montrer tout de suite la trappe magique les amis. C'est pas une trappe qui vous tue, hein. Faites-moi confiance les amis, je suis un troll mais pas tout le temps. Donc attends. On descend ici, premier étage, on a juste des trucs de melon pour l'instant. Ça va rester comme ça, juste peut-être quelques petits trucs qui vont changer, mais on n'a pas vraiment besoin des melons juste pour faire des potions de heal. Puis il y a un nouveau craft, à ce qui paraît, je vais le faire un test avec vous pour ceux qui le connaissent pas. Oh, on a oublié de faire ma trappe tous les deux. Bon, c'est pas grave. Ici, on a une salle encore qu'on n'a rien mis, à part ici qui a le truc de la Centrap. Non, non, c'est la Centrap ça. La scène trap, vous voyez, qui arrive là. Je vais vous montrer ça un peu après. Donc voilà, on va continuer à descendre. Ici, on sait pas encore qu'est-ce qu'on va faire. Donc voilà. Ensuite, ici, on a les champs de Kamasuk. Ok, je la ferme, t'inquiète. Oh, t'inquiète, man.
Ici, on s'est battu ici avec un cheater, c'est pour ça que c'est un peu tout pété. On va juste d'ailleurs juste... Non, c'est pas drôle les amis, c'est pas drôle. On s'est battu contre un cheater, c'était vraiment la grosse merde. J'aimerais mieux ne pas en parler si vous préférez les amis, mais bon, on a vraiment... Ah, j'ai ragé les gars. Je vous jure les gars, là, j'ai été écouter les vidéos pendant à peu près 40 minutes, là. J'étais vraiment fâché, j'ai jamais été aussi fâché. On a perdu... Tous les membres de la faction ont chacun perdu leur full P2. Raton a perdu son full P2 U3, j'ai perdu mon full P2 U3. Toi, t'as perdu ton full barbe P2 U3, je crois. Ouais. T'étais... On a vraiment tous perdu nos meilleurs stuff parce qu'on était... On revenait de l'end, les gars, c'était vrai, juste... Waouh, je vais vous montrer tout ce qu'on a farmé dans l'end. Donc là, je vais juste replacer les champs de calastique vite fait. Mais dans l'end, on a été chercher 6 stacks de gunpowder, des perles, etc. On a aussi trap Chaos. Bon, c'était juste pour rigoler parce que je l'aime vraiment bien, Chaos. C'est vraiment un des joueurs les plus sympathiques du serveur. Il était sur TNTP avec nous. On a juste fait un petit troll. J'espère qu'il va pas le prendre mal. Mais ouais, c'était vraiment drôle de notre côté. Bien entendu, je pense pas qu'il lui a aimé ça être banni pendant une heure. Mais c'est sûr que c'était drôle, tu sais. Je veux dire, il était avec nous dans l'end et tout. Enfin, c'était un petit troll entre amis, comme je le prends à rigolade. S'il veut me tuer un jour pour avoir ma tête ou quoi que ce soit, je laisserai le faire parce que voilà. Donc ensuite, on a la trap kill. Donc comme je vous ai montré en haut, le gars il va tomber ici, puis là nous on peut le tuer avec l'épée. Ensuite on a les têtes des membres qu'on connaît quand même bien. Donc Sword Master qui est un mineur pour nous. I Love Yashi qui est un allié. Blackbird qui est un ami à nous. Zina qui est un ami à nous. Et Accusé de PvP qui est un ami à nous. Donc voilà. Ensuite on a la trappe magique que je vous parlais juste avant. Bon, c'est pas vraiment une trappe que vous pouvez vous tuer comme vous voulez voir. Si vous me croyez pas, il y a vraiment de l'eau. Comme vous pouvez la voir comme ça. Ouais. Vous mourrez pas si vous tombez dedans. Je vais même vous faire une démonstration si vous avez vraiment envie de venir voir. Ensuite on a le Nether. On a ensuite ben, l'accès à la Sand Trap ici. Donc vous avez la... C'est vraiment pas beau, on a la décoloration les amis. Ça va être changé par Zeus. Il va tout faire ça. Donc en gros ici, si quelqu'un meurt dans Sand Trap, il faudrait juste poser des torches en fait pour que le sable il dépop ici. Parce que là, il n'y a pas de sable. Des plaques de pression, whatever ce qu'on veut. Je pense que je vais mettre des plaques de pression. J'avais pas mal de stone tout à l'heure. So, on va faire ça tout de suite après. Tu veux-tu le faire ou je l'ai fait? Ouais, ben, on le fera après. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a une autre trappe magique. Ici, bon, on a des arcs vite fait, des trucs, des items ici vite fait, je pense, dans les coffres. Mais voilà. ici, on a la trappe magique, quoi. Donc, on va ouvrir celle-là au cas où. Puis, voilà. Donc, voilà. C'est pas une trappe qui vous tue, les amis, inquiétez-vous pas. Si vous avez envie de venir prendre un screen, vous avez vu qu'il y avait des trucs pour prendre des screens devant. Donc, ici, on a des coffres vite fait, mais ça va être changé bientôt, ça aussi. Mais en gros, ouais, il y a des coffres ici avec ça, c'est avec notre spawner. Comme vous vous souvenez, c'est le même spawner qu'au début de la version. On avait un spawner, c'est toujours le même. Il produit quand même pas mal. On a des loot qui nous donnent des fois des mailles, des trucs comme ça. Ici, bon, c'est des coffres de marge, je vais pas tout vous montrer. Ensuite, on a la salle des coffres ici. Alors, on a chacun des coffres privés, donc Taser a des coffres privés, Raton a son coffre privé. Bon, Raton, il y a quelqu'un qui t'a volé du cuir, je dis pas c'est qui, mais bon, voilà, tu dois l'en devenir. Zinla, ici, moi 007. Bon, qu'est-ce qui est difficile, les amis, sur cette version-là, c'est qu'on est juste 10 par faction. Donc c'est vraiment difficile d'inviter mes amis, genre il y avait Nezo au début mais là je l'ai kické, j'ai kické aussi moi 007, parce que voilà, enfin on avait besoin de la place pour inviter Tysake et puis voilà qu'on a, puis là il nous reste une place dans notre faction, je sais pas qui qu'on va inviter, ça va dépendre entre Nezo ou moi 007, celui qui va être le plus actif, parce que voilà, ensuite on va peut-être aussi, bon lui il y a Dainer dans notre faction mais je sais pas s'il va jouer vu qu'il a ouvert un serveur HCF, je crois qu'il est déjà ouvert alors que vous regardez ça. Je vous invite à aller voir son serveur si ça vous intéresse, mais bon, moi je vais pas y jouer personnellement, mais bon, voilà quoi. Si vous avez envie d'un autre serveur HF, peut-être que ça peut être le bon serveur pour vous, je sais pas. Donc salle des coffres, je vous ai pas mal tout montré, bon, je voulais juste vous montrer vite fait qu'est-ce qu'on avait été chercher dans l'end, c'est tout ça ici, c'est tout moi qui a ramené avec Tysake puis Isaiah, on était à 3, puis on a ramené aussi toutes les perles volées, on a un demi-coffre de perles les amis, ça fait énormément plaisir. Ça les amis c'est vraiment OP comme truc. Puis il y a Isaac qui a ramené des Blaze Road. Bien entendu j'en ai donné un peu aux alliés. J'en ai donné 10 aux alliés. Et j'ai donné aussi un stack de Gunpowder à nos alliés. Parce qu'ils nous ont aidés. Eux sont morts justement par la main de Chaos dans le dans l'end. C'est pour ça qu'on a pris une petite revanche sur Chaos. Donc voilà. Ensuite on a des machines à potes. Donc heal et puis heal pour l'instant. Mais il y en a une des deux qui va faire des speeds bientôt. Parce qu'on a besoin d'une speed. Parce que regardez je vais vous montrer. Il y a Taser qui a fait de la merde en fait. Il a utilisé toutes nos Gunpowder pour faire des potions de speed splash. Donc si quelqu'un veut des speed splash, il va avoir un échange avec nous. On est prêt à vous échanger un inventaire de full speed splash. Ah, speed splash, j'arrive pas à dire les deux mots back to back, tu sais. speed splash, ben venez à notre base, les amis, on peut vous l'échanger contre quelques diamants, là, pas vraiment cher, on s'en fout un peu.
Genre, si vous nous proposez 10 diamants pour un full inventaire, on va dire oui, quelque chose comme ça. On veut juste s'en débarrasser parce que nous, on joue tout à la drink, je pense. Je pense pas qu'il y en a beaucoup. C'est moi qui ai fait ça. Calice raton! Tabarnak raton! Depuis tout à l'heure, tout le monde m'a dit, oh, c'est Taser, c'est Taser. En fait, c'est toi. Taser. Non, c'est Taser. Oh, petite fif de raton. Bon, ben, c'est pas grave, les amis. Vous venez aider. Bon, bref, voilà quoi. Ici, vous avez la table d'enchant niveau 30. Donc, je voulais réparer mon truc. Je vais le faire vite fait ça. Je vais réparer l'armure que j'ai ici. L'armure qui a été donnée par le Big Sub. Merci beaucoup. Donc, on peut pas vraiment savoir c'est qui. Ce serait cool si vous laissez vos pseudos. Des fois, les gars, quand vous laissez faites des dons comme ça, surtout des gros dons comme celui-ci, c'est cool qu'on puisse voir il vient de qui, quoi, vous voyez. Aussi, donc, quand je pense que t'as accès au slash bottle. Je sais pas si tu connais. Button? Genre slash bottle. Ah oh ouais, regarde! Ouais, voilà quoi. Et genre, what? Ça fait genre 600 genre niveau 30. Genre le soir, je sais pas, avant de te coucher. Tu peux les mettre en bottle pour les autres membres de la fac? Ouais, c'est ça. Yo, c'est trop OP! En fait, ok, il y a là aussi le slash life que j'ai. J'ai environ. J'ai 7 vies vu que j'en ai donné une puis je suis mort deux fois. Une fois. Attends, je suis mort combien de fois? Tu m'en as donné une? Non, j'en ai donné une à notre ally, parce qu'il m'en avait donné une hier pour me revive. Pis si on fait slash stats, non, je suis mort une fois, puis j'ai... Ouais, je suis mort juste une fois dans le fond. Les autres vies, j'en ai donné une à Xylos, puis une à I Love HF, vu qu'il m'avait revive hier. Donc, bien entendu, quand vous me revivez, les amis, je vous le remets la parole. Il y a aussi un abonné fidèle, les amis, je voulais pas oublier. Oh, j'ai oublié ton pseudo, mec. Il m'a revive avant hier, quand je suis mort aussi. Je suis vraiment désolé, je suis pas très doué avec ça. Tu me pardonneras, mais bon, voilà. Donc, on va faire un dédicace à ton ami Ah ouais, Icon Vivor. Ok, oui. Icon Speed. Tabarnak, raton! T'as fait plus que 3... Oh my god. Raton, il y a plus que 3 DC de Speed Splash, le gros. Oh, spawn... Oh, my god. Fuck! Pis ici, y'a quoi? Y'a-tu des heals encore? Non, on a 4 DC de heal, je pense, enfin. Moi, j'ai fait 2 DC. Oh, tabarnak, raton! On a pas mal de heals, comme vous voyez ici. Bon, on en a perdu beaucoup côté cheater, donc je vais demander un remboursement. On a perdu chacun d'entre nous un loadout de potes, plus un épée looting. Moi, j'avais une sharpness 2, looting 3, un breaking 3 sur moi, je l'ai perdu. C'était mon épée... non, attendez, ouais. C'était mon épée avec les 13 kills, je me souviens plus qu'est-ce qu'elle avait dessus. Non, elle est là, ma looting 3. C'était mon épée avec les 14 kills. Ça me fait un peu chier de l'avoir perdu, mais bon, c'est la vie, les amis, il y a des cheaters partout. Ouais, on peut pas faire grand chose à cause de ça. Donc, je vais farmer un peu les niveaux, je vais réparer mon armure, les amis. Moi, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur la vidéo. J'aimerais extrêmement ça qu'on atteigne les 100 pouces bleus. Et puis, comme je voudrais que tu fasses une dédicace à ton ami de l'école qui regarde nos vidéos et qui m'adore. Voilà. Donc, fais une dédicace pour qu'il écoute la vidéo correctement, qu'il joue dans ses pantalons pendant qu'il écoute ce moment de la vidéo. C'est à ton tour, vas-y. T'as le droit de parole maintenant. Bon ben, puis que dédicace à Noisy, comme on l'avait dit, et à Zox. Sinon, salut les gars. Fait que voilà les amis, moi je vais vous laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas les gars, comme j'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Puis de laisser un pouce bleu sur la vidéo. Puis on se dit à très bientôt les amis sur Rizy. Allez, à la prochaine.